Veolia vient de faire un sondage avec l'Institut Elabe qui montre que 90% des Français considèrent qu'il y a un risque lié au Covid et à la qualité de l'air, extérieur ou intérieur. Dans les faits, le principal risque est le contact direct. C'est quand on est face à face avec quelqu'un de manière proche et qu'on reste en face d'une personne malade pendant 15 minutes. Et là, on a un vrai risque d'avoir des projections, puisque quand on parle, quand on respire, on émet des petites gouttelettes qui peuvent être porteuses de virus. Et c'est pour ça que les mesures barrières de masque, de distanciation sont essentielles. Le deuxième risque, c'est les surfaces, puisqu'en fait, quelqu'un qui serait malade peut projeter des particules de virus sur les surfaces autour de lui, et si quelqu'un les touche, il va pouvoir ensuite avoir une transmission également. Par rapport à ce risque, Veolia propose une offre de désinfection qui va nous permettre, avec des produits virucides, de détruire le virus de manière régulière sur des surfaces qui seraient infectées. Ensuite, Veolia va également gérer la problématique de l'air. Et la première étape est d'avoir un système performant de traitement de l'air dans un bâtiment et de s'assurer en permanence d'une bonne gestion des installations dans le temps. Ensuite, on va faire des réglages particuliers pendant cette période de pandémie, c'est-à-dire qu'il faut éviter un recyclage de l'air qui pourrait faire circuler du virus dans le bâtiment. Et donc, on va au maximum prendre de l'air extérieur, le traiter et ensuite l'apporter dans le bâtiment pour s'assurer qu'en permanence, l'air que respirent les gens est de qualité. Et ensuite, on a mis en place des systèmes de vérification qui permettent d'avoir un suivi en continu et de s'assurer que les installations fonctionnent de manière optimale pour garantir un risque le plus faible possible dans le bâtiment. Veolia gère l'air des bâtiments depuis de très nombreuses années et cette expérience nous permet aujourd'hui d'optimiser les réglages et d'adapter les installations à la pandémie actuelle, donc au siège de Veolia à Aubervilliers. Dans le cadre de la crise du Covid, on a modifié les réglages de l'installation pour garantir du tout air neuf et limiter au maximum les risques. C'est également quelque chose qu'on a installé dans deux écoles dans la ville du Raincy où près de 600 élèves depuis plusieurs mois respirent un air de qualité garantie en permanence dans la classe. Donc l'offre de Veolia qui prend le monitoring avec Air Control, la garantie de résultat avec Air Performance et l'accompagnement des occupants avec Air Human permettent de garantir une qualité d'air dans tout type de bâtiment.